Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là que vous avez une information sans problème. Ancien député, 3e circonscription Port-au-Prince-Lan, Bénizia Printemps, longe doit être sur une branche dans le secteur privé qui a alimenté phénomène insécurité dans le pays. Le fait qu'on est petit messier dans le quartier populaire, pas fabriquer des armes ni pas contrôler. Pour yo ak la douane yo, qui donc faut que ta konnen ki secteur qui a alimenté ti messieurs yo ak zam ak munition. Li ple de tout pour gagner un véritable programme social ak réinsertion qui pou aide jeune yo sorti nan situation kachou bombe yo ya. Li pense tout faut gagner un véritable politique pour problème nan résoudre, sinon problème nan continuer. An koute ancien député 3e circonscription Port-au-Prince-Lan, Belizer Printemps pour plus de détails. Yo demain en amont, c'est qui est en secteur privé qui gagne intérêt dans insécurité ça? Qui gagne dans le pays. Le pays n'a pas fabriqué des armes, il n'a pas fabriqué munitions. Si messieurs dans le quartier populaire, grand ville n'a pas fait des armes, il n'a pas fait munitions. Si bois n'a pas fait des armes, il n'a pas fait munitions. Village de Dieu, Soleil, et Croix de Bouquet, Belle, Delma de Delma, si ce n'a pas fait des armes, il n'a pas fait munitions. Donc si les armes viennent, les munitions viennent, ils vont côté les autres. Si messieurs dans le quartier populaire, ils n'ont pas de contrôle pour eux. Ils ont un secteur bien déterminé qui a contrôle pour eux. Qui a contrôle tout droit. Donc il faut que le problème soit au moins en amont d'abord. Là, au final, il y en a un amont, il bloque les vannes en amont et puis en aval, à travers un véritable programme social, à travers un véritable programme de réinsertion, et puis qu'on y a la même, et puis tout quartier populaire, l'État socialement entré là-dedans, donc là, ça, on va gêner au travail, on va gêner au accompagnement, et puis désarmer quartier populaire, au lieu que on va examiner, bah, l'école classique, bah, l'école professionnelle, débidonviliser quartier populaire, à travers un véritable et projet logement social et laisse en apporter que problème dans la prison mais ça a parti d'un véritable volonté politique problème dans la résoudre. C'est pas une véritable volonté politique problème dans la prison. Si gen des monde qui n'ont pas pouvoir, ce sont des monde qui s'est sur le secteur privé problème dans pas bien résoudre. On ne va pas résoudre qu'il y a là sous parle dans les sites là au niveau du grand site au local. On parle Jacques Paul Jérémy garde combien qu'on va prendre un ticket d'avion dans l'aéroport Guimalarian. Donc tout autre problème Matisse en Paris, ça veut dire qu'il y a des gens dans le secteur privé, donc ça fait affaire. C'était ancien député, 3e circonscription Port-au-Prince-Lan, Belizer Printemps. C'est celle, une force l'armée étrangère qui t'a pour venir, même Jean avec les ministères établis ou bien pays étrangers, ont levé un embargo qui empêchait Haïti à l'acheter des armes la caillou. C'est une condition ça qui t'a capable de faire une solution dans le climat latéral qui a brassé le pays d'Haïti d'après sénateur Kedley Augustin. Sénateur Nord-Ouest là fait qu'on est pour résoudre le fléau ça, faut gagner tout disposition qui prend pour voyer gros effectif policier dans mission yo avec bon genre matériel et puis la justice là doit renforcer pour permettre yo bay bandi la police arrêter yo punition yo mérité. Nous invitons à écouter sénateur Kedley Augustin pour plus de détails. Pour gagner sécurité résoudre c'est un alors m'a parlé c'est pas volonté pas m'a bay techniquement objectivement ou bien bon corps étranger là mes amis viennent encore. Donc, mon ministre a vu une grosse ampile, tant qu'il s'est tiré là pour battre contre eux-mêmes. Deux, ou bien retirer un embargo sur la police, que ben, lui, pour l'acheter gal, il m'a vendu M4 grosse âme tout, et puis augmenter en nombre, et puis bataille ensemble avec Bande. Pas de l'autre bagaille là. Ça veut dire que tout le temps, Bande, il y a 200 personnes dans l'armée, il y a 500 personnes, nous ne connaissons pas. Il y a 50, il y a 70, ça n'est pas important, mais nous ne connaissons pas pourquoi. Et ce n'est pas impossible pour un gang bandit qui a plus que 200, 300 hectares, et on a fait inscription dans eux-mêmes. Donc tout le temps, il y a comme ça. Tout le temps, c'est pour un policier. La légalisme, arrêtez les gens, faites kidnapping, achetez des armes. Les armes vont 22 jours. Les gens, ils sont dans l'armée par là. Ils ont 17 Galil. Ils ont 2 MK. Ils ont M18. Ils ont même M14. Et puis, un paquet de crapiaï. Qui te gagne MKD. Les autres, ils ont pris un plan. Je ne sais pas. Je ne même garder si je vois combien de Galil. Mais tout ce paquet, il y a 12 qui ont revolver dans mes autres. Donc, un paquet. Qui gagne revolver. Et puis, quand il y a un gros général qui gagne Galil, qui gagne 13 Galil. Donc, il y a 13 Galil. Et puis, la police parle pour opération. Et puis, la police a voué 20 mounes, la voué 5 mounes. Il y a un exemple. Qui sont pas le faire ensemble avec eux là? C'est pas guerre pour le faire, c'est dissuasion pour le faire. C'est ça qui fait que l'Emdouza, le ministre est là. Il y a 10 chaque campé avec 50. Bien campé seulement. Il n'y a pas l'autre bagaille qui a fait ou bien sauver quoi parce qu'on est là pour mourir quand même. Mais je dis là, on ne dit pas qu'il garantit que c'est le cas. Parce que je dis là, l'on voit un policier
qui pas gen gilet pas balle, qui pas gen protège, qui pas gen bagaille dans tête qui parle dans guerre. Premier bagaille réflexe, c'est bat pour pas mourir. Deuxième bagaille, l'envoie avec un zam revolver dans main pour la battre avec nèg la gen M14. Comment ça passe? Li même faut que li son franc tiré pour tirer un bandit parce que c'est pas devant et pas devant, il y a bataille, c'est pas contre pour tirer nèg la cache, li sous dos la cache, li même a tiré revolver là. Faut qu'ils sont franc tiré pour arriver pour un youn. Nèg la gon M14 dans main. Li rep même s'il pas contre tirer individuellement. Donc ça veut dire que je dis, c'est là pour problème aborder parce que l'embargo qui mettait sous armes, pour des raisons que nous comprenons, tout le dit trop trafic d'armes d'abset, c'est pour aborder problème côté lié. Parce que si nous ne pas faire ça, pita à pitris, parce que pas aucun moyen, je dis, parce que la guerre est venue l'autre phase. Je dis, et sécurité que là, je dis, c'est pas là, même en 2020. Il y a un bon sénateur qui dit que fait qu'on est personnellement pour contre, pas capable de faire passer pour un sauveur dans une situation de crise pays à trouver là. Vice-président Sénat décrit la situation mal au pays qui risque de venir plus grave, toujours si pas gain aucune disposition qui prend des temps fait qu'on est, c'est seulement une tête ensemble cap capable aider résoudre crise là et puis mettre un bout dans l'insécurité. Nous invitons à écouter sénateur Kédler Augustin pour plus de détails. Tout débat qu'a fait là, depuis pour émission, faut que nous connaissions pour qui est interdit, faut que nous pointons tel, contre tel, qui nous nomme le président, qui nous parle le président, c'est comme ça seulement pour le poser. Même moi, je refuse de poser le constat parce que nous là longtemps, je fais politique longtemps et je suis en réalité pays. Moi, je me rends compte que chaque jour, je ne suis pas dit personne ne s'est sauvé. Je ne suis pas là pour être sauvé, ni je ne suis pas diabolisé en l'autre. Même moi, je dis que le plus gros problème pays, c'est que nous avons des difficultés pour nous mettre le peuple ensemble. Mais c'est pour moi qui sont en l'air, non? C'est le problème économique qui fait ça. L'État vient de nous faire pour mon travail. Même si tout le monde a un métier, petit à petit, il n'y a rien. Donc c'est ça qui fait. Je dis à là, vous remarquez que le problème pays, c'est en question d'insécurité, c'est le fondamental. Mais à côté du problème insécurité, problème ça, nous venons un discours qui a parlé de côté insécurité, qui sorti dans la bouche tout le monde qui a bataillé pour pouvoir. Donc, il y a bagarre insécurité a pas venir nos problèmes nationaux nos préoccupations vraiment vrai non puis une tournée aux outils dans chaque monde qui fait politique et tout le temps que opposition que pouvoir pas mettre tête ensemble. Je ne demande pas un consensus pour nous dire qui est le président, non, pour connaître bagarre ça difficile, mais je demande un consensus pour nous dire, pour nous tout déclarer guerre à cette insécurité au cas de kidnapping. Tout le temps ça n'a pas fait. Quand nous faisons action, l'autre n'a pas le critiquer, et pendant critiquer, c'est renforcer gangue du point de vue psychologique. Donc ça veut dire que moi-même, bah ouais, débat ça, c'est pas qui intéresse personne au monde, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est le sénateur Kédler Augustin. Le président du Sénat Joseph Lambert Longé doit être sous gouvernement de facto qui pas montré aucune volonté pour couper climat l'intérêt gang examio à simailler sous territoire national là. Dans une conférence sur la presse Libaï mercredi 9 mars 2022, président du Sénat fait qu'on est insécurité à gangrené dans pays à pourtant autorité dans l'état ou pas fait rien pour couper li. En côté président du Sénat Joseph Lambert pour plus de détails. Ce n'est pas kidnapping seulement qui est en hausse, c'est tout le bagage net qui est en hausse. Et quand il y a plein plus de terrain, vous avez entendu M. Tilapli qui dit bon, il va prendre un territoire pour ici à tout. Il y a un territoire grecier que il voulait prendre tout. Il est déjà à entrer sous Mariani. Et il prend un policier, il boule les policiers dans la machine, il prend le reste avant qu'il s'achète. Tout le monde a gardé Maïsa. Nous avons que des bouchers après couper le cœur, fendre le cœur et décaper le cœur, prendre hanche, prendre foie, prendre toute qualité de bagaille, mettre dehors. C'est des images que nous ne pouvons pas vivre. Ici, on va vivre ça. Je ne veux dire, nous vivons presque un pays cannibale. Nous ne pouvons pas vivre ça. Associer encore des cas de corruption. Pendant que le gouvernement qui est en place, qui sentit qu'il est à l'aise et que tout va bien, et que 24 sur 24, il n'a cessé de nous dire que la priorité pour lui, c'est l'insécurité. Matissan, tout le monde va le passer là, sous bicyclette, va le flâner, tantôt sous champ de masse, la période du Valier. Alors voilà, mes pays, qui la gagne à la dérive, un premier ministre qui lui-même nous le dit, qui fait comme si de rien n'était, qui a pas une parole 24 sur 24, eh bien, il a dit, carence du matin, le premier ministre suspend parler, passer de la parole aux actes. Nous le dit à tout secteur dans le pays, après, comme tu as dit, ou tirer la sonnette d'alarme pour dire que rien ne va, faut que la situation ait changé.
nécessité pour que tout le monde chita. Nous croyons que tout le monde a envie chita parler ensemble, sauf le premier ministre. Puis lui même pas pour intéresser chita parler. Et je voulais vous dire, forcez-nous au niveau du Sénat de la République pour nous rassembler tout le monde qui croit que je voulais vous dire, faut pays à bouger, faut pays à avancer, et que faut que nous capables de mettre ensemble pour que nous capables de faire un consensus sur ça qui est capable d'intéresser la majorité des Haïtiens. C'était président du Sénat, Joseph Lambert. Dans le chapitre insécurité routière, mercredi 9 mars 2022, 10 personnes mouri là pour là, avec plusieurs autres blessés dans un coup qui est un accident machine qui était perdu frein à frapper un petit bus avec motocyclette sur route Canapé Vert à Port-au-Prince. Docteur Cassandra Jean-François, qui se porte-parole Stop Accident, mande autorité pour yon prendre disposition pour assurer sécurité tout le monde cap fréquenter route yon pendant li mande chauffeur yon adopter comportement responsable. Puis loin, li conseiller population dans moment accident sa yon pour yon rete à distance pour permettre secourisation et puis autorité yon rive sous place pour bay moun qui n'en besoin assistance. An koute Docteur Cassandra Jean-François pour plus de détails. Réseau Stop Accident, recensé un grave accident qui fait dans zone Canapé Vert qui fait une vingtaine de victimes. Parmi les victimes, il y a une dizaine de monde qui sont grièvement blessés. Nous parlons de blessés graves, nous voulons dire que c'est des monde qui reçoivent des chocs, qui gagnent des blessés, des traumatismes suite à l'accident. C'est là qui diminue la chance pour nous être en vie, même là, il est arrivé à l'hôpital et joint soin rapidement. C'est ça qui fait généralement dans Kassayo, population qui a gardé comme les moun nan couché à terre, comme les moun nan en mauvais état, li pas bougé, j'ai le fermé et penser que c'est des moun qui mouri. C'est ça que fait nous toujours souligner que c'est personnel médical seulement qui a compétence pour déclarer la mort, qui nous pour dire qui est-ce qui mouri, qui est-ce qui en vie. Et il faut que nous disions tout que les zones qui étaient sous place confirmaient la mort. 4 personnes qui mourent sur le champ après que l'accident fut fait. L'accident s'il a été impliqué un camion. C'est un camion qui, suivant l'information, nous joignent à transporter des sables qui sortent dans une zone qui est la cité Saint-Hilaire, qui t'avait écrasé, de plusieurs cailles qui écrasé après tremblement de terre, non, et que débris n'ont pas de jambes pour évacuer. Donc, c'est un camion qui fait plusieurs voyages dans le jour et qui, malheureusement, dans la dernière descente, il a perdu frein, côté que l'État est pris sur route des motos. Et avec des chauffeurs moto tout, et il a fini par faire collision avec un minibus qui lui-même fait transport Pétionville et Centreville. C'était porte-parole Stop Accident, Dr. Cassandra Jean-François. Pour Bibiti, deux monde mouri et puis de l'eau entrée dans plus de 7000 cailles dans zone nord pays d'Haïti, dans gros la pluie qui était tombée la nuit de vendredi 4 pour entrer samedi 5 mars 2022. Environ 6000 cailles inondées dans le département nord côté inondation ont été enregistrées dans zone Pilate à Klimbé. Route Bois de Lens ak Goudé dans la commune Pilate t'est endommagé. Axe routier Grande Rivière du Nord, rivière Baron, t'est coupé dans niveau Pinson. Dans le département nord pays, plusieurs rivières ont débordé dans la commune Boyne, Grande Rivière du Nord, Baron, Pomago, Limonade, Roducap, Pawa, Aklimbé, côté gen plusieurs plantations qui étaient dévastées et puis plusieurs bêtes de l'autre pour aller. Jeudi 10 mars 2022, au Cap a dit fait bouler un pile business avec plusieurs cailles qui l'a depuis l'époque colon français ont établi esclavage là. Si personne ne connaît origine différente, mais li te éclaté dans rue 19B dans villa dans bloc 4 du matin et puis li rive boulé un dépôt boisson yon banque bolette avec un restaurant. D'après autorité yo pa gagné aucun calan mort qui enregistré dans di fè ça mais li la cause gros dégâts matériels d'après quelques témoins. Entre samedi 14 d'août 2021 pour arriver 28 février 2022, c'est plus passé 1700 tremblements de terre qui passaient spécialement dans le département Sud, Grand Saint-Nip. Département NIP recevoir 884 secousses entre janvier et février 2022, d'après ramassé bureau mine et énergie. D'après dernier bilan, ça, qui sorti date 4 d'août 2021 pour arriver 28 février 2022, gagné en quantité 1722 tremblements de terre qui enregistrés dans la péninsule Sud, PIA, soit 884 nan NIP, 548 nan Grandens et puis 290 nan Sud. Donné ça a montré quantité soukousse diminué nan mois février par rapport à mois avant, soit une diminution 127% par rapport à mois janvier.
Nan chapit insekurite lundi 14, mardi 15 ak mekodi 16 mars 2022, sektor la sante ya, espesyalman klinik ak l'opital prive yo, pral suspend bay servis la sante sou tout teritwa peyi d'Haïti ya pou proteste kont klima la tere ya, espesyalman za kidnapping yap subi depi plizye mwa dapre modod asosyasyon medikal Haïtien nan. Depi mekodi 2 mars 2022, gang aksam gen nan men yo, Dr. Pierre Bonsi ak Michel Dalexi yo tal kidnapé nan klinik yo nan Ruben Port-au-Prince. Toujou nan chapit insekurite a mekwedi 9 mars 2022 a la polis nasyonal di li arete nan akaye 2 moun li sispek ki ta bandi li jwen aksam nan men yo. La polis rive arete moun sa yo. Apre, yo te fin resevwa alet sou yo nan site Drapoa. Nan yon publikasyon li fe sou kont Twitter li, PNH la salue kolaborasyon populasyon epi li di li konte sou vijilansyo pou yo empeshe gang vin tabli nan komine sa. San populasyon pa konen ki es ki bal manda pou sa, Premier Ministre de facto a deside depanse la jan peya pou pati finisman semen sa nan tet yon delegasyon al asiste instalasyon nouvo prezident Gabriel Boric vendredi 11 mars 2022 nan tet peyi Chili. Dabre sa bureau, Premier Ministre l'an fè konen, Ariel Henry a patisipe nan yon premier tan nan yon dine chef d'Etat ak chef gouvenman, prezident sortan Sébastien Piñera Echenik ak madame ni Maria Cecilia Morel Montes ap organize. Apre seremoni pasasyon pouvoi, chef gouvenman de facto a ap gen pou li fè plize renkont bilateral pa mi yo, l'ap gen pou renkontre ak prezident peyi Argentine nan Alberto Angel Fernandez epi prezident dominikien Luis Abinader. Detan li anonsi, la bretounen nan peyi a dimanche 13 mars 2022, Bureau Premier Ministre lan fè konen pandan absans Ariel Henry, se menis ekonomi ak finans lan, Michel Patrick Boisvert kap asyre enterim nan. Organizasyon Douamoun, Fondasyon Jekleri, FJKL, leve la voa kont raket, fam, machan yo, ap sibi, chak jou nan machè ya, epi tou, violans fizik, ajan la komoun ap fè sou fam machan yo. Centre Réflexion ak Recherche sou Migration ak Environnement ak Organizasyon Marie-Jeanne, yo chak bon kote pa yo exige yo respekte dwa fam yo nan peyi d'Haïti. Nan chapit politik detay yo kwe, nan solusyon Haïtien yo, yo menm va jwen Conseil National Transition KNTA ki soti nan akor 30 daout 2021 yo pis konen sou nan akor Montana, di li gen espoi yon solusyon ka soti nan kriz ka brase bil peyi d'Haïti ya. Moun ki te reprezenté bureau suivi akwa Montana, se te Magali Komodouni, Magali George, Ted Syndic ak Leslie Voltaire. Dapre BSA, yo te prantan pou tende reprezentant Amerikean epi bay dizon yo sou sekurite, dialog epi fason yo wè kesyon estabilite yo dwe pase nan yon transisyon koupe fache. Rapporteur Conseil National Transition, Patrick Joseph, ki ta pripon kesyon Alte Radio, fè konen renkont sa te fuktueze. Epi yo ap kontinuye ant reprezentant Montana yo ak divers lot akte nasyonal kon internasyonal. An koute rapote Konseil Nasyonal Transisyon, Patrick Joseph, kapote plis detay pou nou. Pou sa fèp, te te eksplike ki demache ke Montana, jen konen deja, Montana se yon proje ki pou la vinyan ki pou permèt ke peyi a li men yo pran pote. Sa bete le pou sa fèp. Fok gen yon konfansus klajman laj avèk tout akte ki implike nan kriz ou ankon nan kao peyi ya. Y kompri l'étranger tout ki fè pati pou yon nante de kao ke yon trouve nou la. Ke yon te explike tout sa et te permèt ke te gen yon bon dialog et gen rappel ke ki te fè tout sou negosyasyon avèk pouvoi en plasman poske yon dana te prevoi sa nan akor li. Pour les négocier avec le pouvoir en place, c'est-à-dire que nous sortis dans la crise que nous sommes là. Dans la situation que l'État est là, nous ne disons pas bien l'État parce que pas bien service. Après le nombre de temps ça que nous faisons plus que 8 mois après la mort, assassinat de Jovenel Moïse, pas bien rien qui fait, tout ça aussi à l'ordre du jour de discuter. Et nous prenons un niveau Montana pour que la transition de 2 ans capable de permettre que peyi a reprenne ray pou stabilite futuri. E se pa selman kou e monte yon CEP pou al fe eleksyon paske sa pa bay oken rezultat. Se toujou sous de stabilite yo, se monte CEP ki pa kredib e fe eleksyon formamit. E se sa ki pa l'implime krizan e ke fok nou kampe sou sa pou permette ke nou reprenne. An gou, se te yon renkont nekadifiktyez
et entre les deux parties, il était plus, on raconte des coups de tour bon côté et des batailles de temps par rapport avec l'information qu'elle vient déjà de la ligne de l'ambassadeur, mais c'est vrai que Vintande directement, il prend en compte de tout ça à qu'elle dit, et ça peut permettre que lui fait lumière avec d'autres instances aux États-Unis, soit dans le département d'État ou bien à Maison Blanche, pour permettre que Crisan soit capable de joindre ici. C'est ça qui est discuté dans la rencontre hier là. Et c'est pas une dernière rencontre qui ouvre les portes pour que capable de bien d'autres rencontres. C'est le début. Et c'est le début du dialogue et ensuite capable de gagner l'autre rencontre qui peut permettre de nous avancer. Et puis, mais c'est pas encore négociation. C'est dialogue avec les partenaires haïtiens, dialogue avec les partenaires étrangers pour nous capables de sortir. Yon lot bon rapporteur Conseil National Transition, Patrick Joseph, fait qu'on est, yon pa gen nan tête yon, se rencontre ça, yon te gagné avec émissaire américain qui pral fait ligne yon bouger pour permettre yon atteindre objectif yon parce que yon rete kwe nan yon solution qui sorti entre haïtiens pour résoudre crise pays. Cependant, il explique yon pa jam ferme porte pour continuer dialoguer à quel que soit secteur dans l'idée pour jouer plus consensus toujours. En côté Patrick Joseph pour plus de détails. Nous ne mettons pas tout accent, toute force sur un compte avec étrangers. C'est parce que c'est étranger qui fait ligne pour aller bouger. Ligne déjà bouger parce que nous ne sommes pas statiques. Même à niveau Montana, nous avons rencontré avec Ken, nous avons rencontré avec Diaspora, nous avons rencontré avec l'Église catholique, nous avons rencontré avec le secteur privé, nous continuons à rencontrer les partis politiques, nous avons rencontré avec les groupes sociaux et politiques et des groupes populaires, nous avons rencontré avec tout accueil, toute frange dans la vie nationale là pour que nous arrivions à faire ligne bouger et nous puissions quoi sortir de crise haïtienne que nous avons. Étrangers qui a venu imposer nous. Mais comme c'est pas les dialoguer, nous ouverts à tout le monde, nous pas fermés, parce que nous n'ayons globalisation sociale, pas seulement globalisation économique, et que nous capables de parler à tout le monde, c'est ça a fait bouger déjà plus que ça qui t'a bougé. Et nous croyons que dans le jour, il y a des décisions qui a point de part et d'autre, bon côté le pouvoir en place, bon côté. Et à tête à côté Sénat, bon côté et à Koyo Mondana qui pourra permettre que nous sortions d'une obligation pour que nous sortions dans la situation et chaos que nous y jeunes jeudi. C'était rapporteur Conseil national transition, Patrick Joseph. Toujours dans le chapitre politique, Anne Witowski, représentant du département de l'État américain, Chita parlé semaine ça dans le pays d'Haïti avec le premier ministre de facto Ariel Henry et puis toi Conseil national transition sous crise qui a brassé le pays d'Haïti. Dans la publication l'IFE, bureau premier ministre l'en fait qu'on est, pendant Chita parlé ça, chef gouvernement te réaffirmé volonté li gagné pour li remettre sécurité dans le pays et puis tout la poursuivre avec dialogue national là avec toute force vive pays dans l'idée pour joindre un consensus. Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, qui gagne clé, ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Genius, qui était payé à mercredi 9 mars 2021 pour y aller dans le pays Chili, côté où il a assisté vendredi 11 mars là, dans l'investiture président élu chilien Gabriel Boric. Premier ministre Ariel Henry doit participer dans un dîner chef d'État à gouvernement, président sortant Sébastien Piñera Echenik, à Baye, ensemble avec Madame Ni, Maria Cecilia Morel Montes. Après ces ni passation pour voir ça, chef gouvernement a gagné plusieurs rencontres bilatérales avec chef d'État à gouvernement parmi eux président République Argentine Alberto Angel Fernandez, même Jacques République Dominicaine Luis Abinader. En absence Premier ministre, c'est ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui a assuré intérimaire. Chef gouvernement a dû tourner dans le pays dimanche 13 mars 2022.